La VOD est lancée. Du coup, je disais, on jouait à Lies of P. Featuring Timothée Chalamet. Et j'ai déjà fait la démo. Timothée Chalamet. Merci. J'ai déjà fait la démo. Et maintenant, on fait le vrai jeu qui vient de sortir. Salut ATP. Oh, ça vibre, la manette, je veux dire. Ça fibre. Je suis sûre qu'il n'y aura même pas d'intro. C'est un souls, hein. En général, on est envoyé assez vite dans le vif du sujet. Et on sait pas trop ce qui nous arrive. Je cache ma cam au cas où. Et coucou, Kalos. Peux-tu m'entendre? Je vais pas faire mon travail. La marionnette de Gepetto. Ouais, c'est tout pareil. Pardon, ouais, c'est tout pareil. Oui, un petit papillon de lumière. Le caisse de Timothée tout en face. Des proutilles. Je me rappelle plus, hein, parce qu'on avait fait ça cet été. There you are. Mais je peux pas. I've been looking all over for you. Semble de ouf. Il ressemble de ouf, désolé. Du coup, on tape exactement le même contenu que la démo. C'est dommage. Oh mince, je voulais pas faire ça. Je peux courir? Il n'y a pas d'arme, alors regarde ton huc. Ah, interagir. Faut que j'interagis sur le machin. Ah, mais Jiminy, en fait, c'est Nia, quoi. My name is Sophia. Please come to Hotel Krot, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Hop là! Sectionner la ceinture haute, la ceinture basse, ou utiliser un objet sectionné. Ça va! Ça va, ça va. Maintenez pour activer le sac supplémentaire. Ah oui, les raccourcis! Moi, c'était maintenir quoi? J'ai pas regardé. En plus, je suis mal placée. Ma caméra, elle est mal placée. Je vais devoir sortir le fond vert, moi. Je veux sectionner ma cam, ça veut pas. Mais ouais, il y a des trucs derrière moi. Salut, Jean-Tsu. Félicita, merci. Ouais, bon, on voit à peu près. Let's get you out of there. Find something that might help. Vous entendez bien le son du jeu, ça va? Vous me nidez, hein. Dînez, vous me nidez. Enquêtez. Les rues ne sont pas sûres. Prenez une de ces armes. Super solution, quoi. J'ai tiré sur des flingues avec des flingues contre des flingues. Qui tirent au même des flingues. On entend bien la dame faire de l'ASMR. Qui veut de l'ASMR, on sait. Ah oui, je choisis la voix du criquet, la voix du tarba ou la voix du balayeur. J'avais testé la voix du bâtard. Je me rappelle plus, attendez. On choisit en gros notre style de combat. Style de combat équilibré, associant puissance et vitesse. Donc, on est rapide et furieux. Un peu, en gros. Là, on est style de combat rapide et agile, visant les points faibles de l'ennemi. Ça j'aime bien, même si en général je sais mal jouer ce genre de gameplay, j'aime bien. Style de combat lourd qui fauche les ennemis en utilisant une grande force physique. Coucou. Coucou, cocotte. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le chat? Qu'est-ce qu'il raconte, Sam? Oh là là, ce personnage est plus Timothée Chalamet. C'est Timothée Chalamet. Il me fait penser à un mec connu. C'est Timothée Chalamet. Un personnage connu. Ok. Ça va bien tout le monde? Oui, ça va, ça va. Je pense que je vais prendre Achille. En plus, ça s'appelle la voix du bâtard.
J'avoue que c'est juste ça qui m'a convaincu. Je vais mettre le fond vert. Hein. J'ai l'impression que là, je suis tout petite et en plus, je suis au milieu de l'écran. Oh, c'est chiant. J'y avais pas pensé à ça. Merde. En plus, j'ai de la lumière verte qui va être sur de fond vert. Ah bah non, mais c'est bien ça, en fait. Mise en scène en cours. Veuillez patienter. 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 Ok. Maintenant je fais ça. Je mets des filtres. Tiens-le bien, tiens-le bien, tiens-le, ne le lâche pas. Tu ne ferais pas ça, tu ne ferais pas. Tu n'oserais pas. Alors, correction colo, non. Incrustation par convenance, oui. Ça va, ça marche, hein. Tiens-le bien, tiens-le bien, tiens-le, ne le lâche pas. Tu ne ferais pas ça, tu ne pourrais pas. Tu n'oserais pas. Super. Et va. Je me mets où? Ici, on s'en fout, c'est mes armes. Vous en foutez, ça. Ouais. Mon dieu, on s'en fout. Il y a un peu de... Ah bah, c'est du vert. Le ballon. Ah, je crois qu'il est déchargé. Mais non, il y a écrit 4 petites pilules de chargement. Jiminy Cricket, rallume-toi, s'il te plaît. Ah, merci. Voilà, si je mets ça là... Ah là, je pense que c'est bien. Ah mais je suis un peu verte. Mais ça c'est la lumière verte qui fait nawak. Voilà, c'est mieux. Ça va, c'est correct. Ouais, on dit hein. Pour mon heure pour pas me faire spoil. Mais t'inquiète, c'est exactement comme le contenu de la démo. Si t'as fait la démo, tu vas pas te faire spoil parce que c'est tout pareil. Voilà. Moi je risque pas d'inventer beaucoup ce soir. Vous avez vu déjà le préparatif de ouf? Oh là là! Ok, la voix du Tarba du coup. I take it the voice of Tarba. Alors, verrouillage de la cible. Faut que je me rappelle comment jouer. Ok. Là c'est... Ah non, attends, je suis pas prête. Ah, je sais pas! Je connais pas! Ah, mais attendez, attaque normale. RB. Attaque spéciale. R. I. Si c'est triste. Et. Je suis pas prêt du tout là. Oh, je mets plus de son du jeu, on entend rien. Hein. Donc, d'accord. Hein. Oh, ça nous pète les oreilles là. Salut Justimir. Là, il y a un type qui court et un dragon derrière. C'est ça, une boule de dragon. C'est pas la ref. Mais salut Justimir. Enfin, les Dragon Ball, je connais, vite fait. C'est surtout, ça concerne surtout les dragons mâles, mais c'est tout quoi. Oh, on entend rien, ça m'énerve. Si vous assistez au transfert. Moi j'ai entendu en tout cas. Obtenir. Augmentation du nombre maximal de quoi? Accumulateur de pulsations pour restaurer vos PV. Vous ne pouvez utiliser avec l'accumulateur de pulsations qu'un certain nombre de fois. Une fois cette limite atteinte, l'accumulateur sera déchargé. Attaquez un ennemi lorsque l'accumulateur est déchargé pour recharger progressivement. Mais c'est quoi un accumulateur déjà? C'est mes popos? Là. Attends! Je touche mon fiac! Oh là là, je suis déjà tout sale! La team, il est tout dégueu! Ah, je le vise pas! Ok, ça va. Obtenir. Fragment d'ergo. Alors, les fragments d'ergo, c'est. Soit les trucs qui permettent de pex, soit les trucs qui donnent de l'XP. Enfin, attends, non. Soit les trucs qui donnent de l'XP,
Enfin, soit de l'XP en fait, soit c'est des trucs qui permettent d'augmenter genre les armes. Genre les pierres de forge peut-être. Peut-être ça. Hein. J'en peux pas. Ah, il nous faut des clés sur un agent de la gare. Tu vas fondonner Chala et Chala? Ah non, hein, vraiment. Salut Titi Belle! Pas là! Je suis pas là! C'est potentiellement ce que j'aurais pu dire. Parce que des fois je joue à Palia et je mets ça en titre, mais j'ai pas dit Chala Chala. J'ai parlé de Timothée Chalama. Voilà. Salut, ça va Titi Belle? Mais ok. Coucou. Mais putain, c'est sur ma gueule! Non, c'est chiant par contre! Faut que je vire ça! Gnaï. Pouvez. C'est super, mais arrêtez s'il vous plaît. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec votre garde. Si votre garde est réussie, les dégâts subis seront réduits au prix de votre endurance. C'est comment? C'est shift. Non, non, je veux savoir. LB. LB. Chez. Mais arrêtez, oh! Arrêtez. Non, oh, c'est j'attends ça. Je ne dérange pas ça. Accumuler un regain. Attendez. Attendez, du coup, je lis. Le regain de garde s'accumule, mais diminue progressivement au bout d'un certain temps. Si vous avez accumulé du regain de garde, vous pouvez attaquer les ennemis pour récupérer des PV. Pour accomplir une garde parfaite, effectuez une garde réussie juste avant de vous faire toucher. Oui, bah oui, c'est fou. Avec une garde parfaite, vous ne subissez aucun dégât, consommez seulement de l'endurance. Bon, je vais essayer. C'est ça alors. Let's go. Ah, je vous lis! J'essaye de parer au bon moment. Je sais pas si j'ai réussi là. Pas sûr, hein. On peut pas sauter. Oh, on peut pas sauter. On sait qu'on va se faire déchirer. Non, mais moi je me rappelle que j'avais réussi à trouver les timings pour bien parer un peu avec le boss. Oh, méchant. Tu es trop méchant. On peut les enchaîner en tout cas, ça va. Ah, oh, j'ai trouvé des termites, super. Je les ramasse pas en général, mais là oui, apparemment. Attendez, je vais regarder si ça c'est des popos. Oui, c'est des popos de vie. Ok. 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 LB plus Y. Ah ! Coup de grâce. Ah, il est de dos ! Ça avait pas du tout marché. On court comme ça avec B. Et ça c'est quoi? Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare, fuyez. Bon super, je déconne. Ça m'aide pas beaucoup ça. Aujourd'hui t'es Lia, exactement. Voilà. J'écoute grasser. Énervé le contrôleur de la SNCF. Ah oui. Tu crois qu'ils étaient tous morts? Ok. Fragment d'ergo faible. C'est toi l'ergo faible. Oh, l'ergo faible quoi. L'attaque au mensonge dans les maths. Sacré programme.
Demain on attaque Kant. Il y a des portes et des échelles partout dans Krat. Ok. Qui sont verrouillées par des appareils. Vous pouvez déverrouiller les portes ou descendre des appareils pour créer des raccourcis. Oui, ça je veux ça. Allez, ouvre-toi. Mais y a pas un point de respawn ici? J'espère, hein. Parce que là, j'ai pas beaucoup de vie, moi. Je vais me faire tétragoumer. Vu que les billets de train et de Navigo ont augmenté, ça... C'est plus pareil, les transports publics. J'ai voulu parer. J'ai oublié comment on faisait. C'est comment parer? Non, c'est pas ça! Recule, recule, je t'en supplie! Je sais plus comment parer, c'était quoi la touche? Je crois que c'était deux touches. Lie or die! Oh, c'est trop métal. Chemise auto-nettoyante? Ah, j'ai même pas fait gaffe! Attendez, je vais. Parce que là, je suis très limitée de mouvement. En niveau mouvement. Voilà. Voilà. Mais ouais, mais attends. Non, mais si, je peux parer. Ah, c'est comme ça! Putain, c'était la dernière touche que j'avais pas essayé, merde! Oh, mais c'est bon, vous mêlez pas de ça, vous. Vous saoulez là. En vrai, vous saoulez là. Ils vont me suivre? Non, ils vont pas me suivre, putain, salut boss quand même. Comme ça se fait pas. Putain, ils me suivent! Non mais. Ah oui, ça c'est mon XP! L'ergot de mort là, l'ergot de ces morts. Pareil, non, c'est pas ça, putain. C'est ça. J'ai essayé. Mais il enchaîne combien? Je pense que je vais pas parer tout de suite, je vais esquiver d'abord. Hein. Oh, le parer dans ces conditions, mais c'est pas possible. Bon, j'avance, hein. Voilà. Il paraît que c'est possible. Non, mais vise-le! Ça passe, ça passe. Il est où mon XP? Il est là. On peut pas. Non, mais arrête de faire ça! J'apprends, hein. Et oh! Maintenir pour une attaque chargée. En attaquant la barre du PV d'un ennemi sur un... Attends. En attaquant la barre du PV d'un ennemi sur un tour de blanc. Vous pouvez les stupéfier. Je suis pas dans Harry Potter, enfin. Je comprends rien avec une attaque chargée. Ou avec des arts de fable. Stupéfié, art de fable. Au bout d'un moment, il me faudrait un putain de lexique là. Juste attaque chargée, RT. Ok.
Ça a pas marché. Putain, le jeu, tu m'as trop foutu la sauce, je te déteste. Je le fais, hein. Mais je le fais, mais ça marche pas. Mais il en faut 6. Oh là là, j'y crois pas. Oui, il faut 5 attaques chargées, et puis là, ça marche. Et je m'en prends plein la gueule en attendant. Alors, un ennemi stupéfié plus herbé. Ok. Allez, RB. La fameuse attaque des arts de table. Oui, art de fable. En vrai, art de table, au moins, je sais ce que ça peut à peu près signifier. Merci, cash. Mais moi, j'ai même pas de quoi mesurer quoi que ce soit sur mon bureau, ça dégoûte. La prochaine fois que je vais en cours, je vous promets, je m'achèterai un maître. Bon, bah, je suis complètement décédée. Du coup, j'ai eu ce qu'il me fallait, je pense. Oui. Au pire, je vais repop. Hein. Au pire, je vais repop. Si je meurs, c'est pas grave. J'ai eu l'objet qu'il me fallait. J'aurais pu lui faire un coup de grâce si j'avais été patiente. J'ai pas été patiente. Se recharge doucement. Attaquer les ennemis. Oui, mais je sais, je sais. Bah, Popo, elle se recharge en attaquant. C'est vrai qu'il l'avait expliqué. Et bah, c'est vachement bien. Qu'est-ce que je fous là, moi? Je sais même pas où je vais aller. Ah, si, je redescends tout simplement. Bon, bah, ça, je m'en fous, hein. Ils sont où? Et moi, ils sont où? Ça, c'est que je peux courir comme ça. J'ai envie de courir autrement. Enfin, en appuyant sur une autre touche. Ouais, eux tant que je les laisse pas... je leur donne pas le temps de me taper, c'est bon. Mais il était de dos, ça me l'a pas proposé. Mais en fait, j'ai pas besoin de revenir ici. Il faut que je m'en aille, mais je sais plus par où. C'était où la fenêtre, enfin la porte verrouillée. Il a senti ton souffle chaud dans sa nuque. Tu veux mon coup de grâce? Pardon, je plaisante. J'arrête. Peggy 18. Arrêtez! Faut que je déplace cette fenêtre. Mais je suis sûre que ça vous amuse qu'elle soit sur ma gueule. Avouez, hein. Patron! Oui, non, mais ça va. Pardon, je suis désolé. Je ne suis sûre que ça vous plaise. C'est pour ça que je le fais pas. Parce que j'ai passé mon BAFA. C'est même pas vrai, même pas vrai. Jamais. Mais bon, je connais 2-3 trucs, quoi. Pas du tout. Bref, fallait que j'ouvre une porte. Mais mince, j'en ai... Je sais plus quelle porte je peux ouvrir. Je vais tuer eux. Oh, t'as raté. Comme moi, des fois. Non, je déconne, ça n'arrive jamais. Oh, je te défonce. Attendez, le coup chargé? Ah oui, d'accord, c'est pas juste ça. Oui, voilà, des fois je cherche pas assez, ok. Gars. Eh, ça se passe bien? Je trouve que ça se passe bien. C'est Tim. Il est là, Tim. Timothée Chalamet. J'ai mis une minute de cooldown pour pas que ça soit trop spammé.
peut-être un peu trop. Ça aurait été marrant que de le spammer en fait. Voilà, ça c'est les feux de feux sacrés de Elden. Je sais plus comment on appelait ça. C'était pas sac... il y avait sacré dedans, mais il y avait pas feu, mais les feux de camp quoi. Utiliser un Stargather pour restaurer la totalité des PV de l'endurance et pour charger vos accumulateurs de pulsations. Vous ressusciterez à cet endroit après votre mort. N'oubliez pas que ce processus ressuscite également vos ennemis en plus de votre personnage. Hé hey, putain, le quatrième mur! C'est pas un personnage! C'est Timothée. C'est GPT. Non, c'est. C'est Pinocchio! Non mais j'ai oublié qui on est censé être au bout d'un moment. J'ai oublié. Attention la quantité... Attendez, faut que je fasse... Attention la quantité de marionnettes pour... J'ai pas eu le temps. En l'état, nous ne sommes pas suffisants pour vaincre les marionnettes. Et si je confère provisoirement mon pouvoir à ce Stargazer, récupérez votre ego. Poursuivez votre cœur de l'ol. Mais la force du Stargazer ne dure pas éternellement, alors faites attention, dépêchez-vous. Devenir à l'hôtel Krat. Monter de niveau, utiliser du stockage. Moi, je veux monter de niveau. Est-ce que je peux? Je vais prendre de la vigueur, je pense. Ah, je peux en faire plusieurs. C'est quoi progression? Ça correspond à quoi progression? C'est pas une caractéristique, progression. Enfin, c'est pas une stat personnelle. Il ressemble que dalle à Chalamet. Mais il ressemble un peu des fois, c'est tout. Au début, il ressemblait à Timothée Chalamet. Tim dans mon cœur. La vigueur. Capacité, c'est quoi capacité aussi? Je comprends pas. Je comprends pas. Les trucs, je comprends pas ce que ça fait capacité, c'est attaque physique. Ah, je vais peut-être prendre un peu... Ah non, capacité c'est... Poids, légion. C'est quoi légion? c'est quoi cette stat là? C'est quoi légion? Progression, légion. C'était... oui. Au bout d'un moment, quoi. Oui, c'est vrai que Sue, elle s'est mise à Hollow Knight. Il y a eu 12 personnes avec Pinocchio. Désolé, elle ressemble pas à Pinocchio. Ou alors à une version un petit peu, ouais, un petit peu steampunk, quoi. Pinocharo, tu vois. Avec GPTax et Jiminy le crackhead. Voilà, comme j'avais dit, voilà. C'est la team. Bon, progression, je sais pas ce que c'est, mobilité, j'imagine que c'est bien. Attaque physique. Je vais rajouter un peu de mobilité. Un peu de vitalité. Un peu de vigueur. Je peux plus! Ça se fait pas! J'ai pas fini par trouver Légion? Non, non, je vais pas chercher trop après. Hein. J'avoue qu'on avait testé plusieurs démos en plus ce soir-là, je crois. Mais j'ai raté! Comment tu l'as raté? Jiminy the... Pinocchio, comment tu l'as raté? Ah, je déteste... Dans ces jeux, je déteste les chiens! Ils sont trop chiants! Non, mais je vais pas trouver, hein. Je vais appeler Timothée, moi. Un peu, bon, j'avoue, arrêtez. J'ai perdu de la vie. Eh, hey, mais attendez, j'ai pas ressuscité. J'ai que deux popos, c'est normal ça? Attendez, c'est bizarre, j'en avais trois, mais pas que deux. J'en ai pris une? Ah oui, j'ai appuyé sur X sans faire exprès. Oui, ça devait être ça.
n'était pas mort. D'où il n'était pas mort. Ok. En vrai, je crois que j'ai déjà de quoi me pex un peu. Attendez, je vais vérifier. Stargazer. Montée de niveau. Ergo requis 800. Voilà, c'est bon, je suis faux. Alors, je vais prendre encore la vigueur ou de la technique. Technique, ça influe sur toutes mes attaques. La vigueur, c'est l'endu. Prendre ça. Voilà. Voilà, là, j'ai tout utilisé, c'est bon, je suis rassurée. Je retourne là, hein. Je récupère ma popo, je m'en fous, hein. Ah, ça va pas, non? Arrêtez. J'étais peur. J'étais peur, hein. Ah, j'étais très peur. Non, mais j'étais concentrée. Du coup, ça me déconcentre. Je vais sauver... Je dois sauver le monde du petit âne de la méchante reine rouge. Un truc comme ça. Je connais même pas l'histoire de Pinocchio. C'est quoi le méchant dans Pinocchio? En vrai, y a pas vraiment de méchant dans Pinocchio. Finalement, les gens. Ce qu'il y a de méchant dans Pinocchio, c'est la réalité, quoi. Genre en mode. Bah, désolé, dude, c'était du bois, hein. T'es du bois, écoute. Vis ta vie d'acajou et fais paillèche, quoi. J'ai l'impression. La baleine, depuis quand? C'est Stromboli. Non mais on te parle pas de Pokémon, Sam. Faut suivre un peu. Oui, moi aussi, il m'avait fait peur. Il m'avait fait peur, Pinocchio, quand j'étais petite. Du coup, je l'ai jamais revu. Oh, j'ai cassé le banc, ça dégoûte. J'en étais sûr qu'il y en avait un autre. Mais il m'a pas proposé de faire le coup de grâce. Là je fais mal, hein. Ouh, à dents de scie. D'accord, ah oui, ça doit être un mécanisme. Pour tantôt. Catalyseur de fable. Si tu veux, merci. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sera super objet de déco. Non, mais j'ai raté. En fait, à chaque fois qu'il met un coup un peu chargé, il recule de 5-6 mètres, là. Assume le fait de taper, mec, hein. Écoute, voilà, c'est ça que je vais faire tantôt. Il est trop deg. Tiens, je casse ça. Ok. Fragment d'ergo. J'ai ergoté. Celui qu'ils enlèvent pour son spectacle de marionnettes ambulants. Ah, je me rappelle pas. Qui les enlève qui? Il y a plus... Je me rappelle pas, hein. Adam Dessy. C'est qui ça? Pourquoi il y a des trucs que je comprends pas dans mon chat? C'est toi, Adam Dessy? Oh, mais putain, c'est une cabine téléphonique qui n'est pas une cabine. Mais qui est téléphonique? Hello, Rikiwi! Je me rends plus compte des distances. Non, j'ai plus mon maître. J'y peux rien. La récente frénésie. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mettre mes voix.
merde, laissez-moi vivre. Oh, je vois que ça brille. Certains ennemis peuvent devenir rouges et utiliser une attaque puissante appelée attaque furieuse. Vous ne pouvez ni esquiver ni utiliser une garde contre cette attaque, mais une garde parfaite peut les contrer. Il se fait livrer les Pinocchio par deux persos, je sais plus le nom. Il enferme Pinocchio dans une cage et fait subir l'enfer en souriant pour exposer dans son spectacle. Ok. Ok, ok. C'est une... Après, c'est du bois, quoi. Je suis la fée Fago, j'exauce tous les vœux, mais seulement pour le bois, car le bois, c'est merveilleux. Je me suis trompée. Ah, il me défonce. J'essaie de faire une garde, mais... Oh, t'as raté. Oh, loser. Moi, ça m'arrive jamais, ça, hein. Oh! J'esquive pas du tout, je pars pas du tout, y'a rien qui va. Lui est vivant, lui. Ah, mais putain, je me fais tirer dessus! Ça va être dur de parer, il y a une petite latence à chaque fois, j'ai l'impression. Il y a un méchant là. Attaque descendante. Ah ouais, really? RB ou RT en chutant. Nickel. Ah oui, d'accord, c'était pas... En fait, c'était lui que je visais. Ça s'est super passé comme exactement je le voulais, genre. Ça pouvait pas mieux se passer, en fait. Putain! Voilà, comme ça après je vais taper des ennemis. Les ennemis, ils font bien peur, j'aime bien. Ça fait trop flipper. C'est le truc le plus effrayant que j'ai vu après un creeper. Courant de son maître Alox. Ouais, c'est tu d'accord. Je vais pas tenter à aller dormir. Salut Bloody. Et bonne nuit du coup, Rikiwi. Mais putain, il repop en permanence. Ça fait du ligne. Pourquoi ça fait du ligne? Ah, parce que j'ai récupéré une popo, je pense. La chemise elle est foutue. Non, rien, il pleut, ça va aller mieux. Hop là. C'est une chemise aussi en bois. Oh, ça y est, je suis déjà au boss. Oh, je suis en chien. Arrête, espèce de fou. Réparer le Star Gazer. Gazer, Gazer. Gazer, gazer. On va gazer un peu. Est-ce que je peux pex utiliser monter niveau? J'ai envie de mettre encore de la vie. C'est quoi mobilité? Ah, ça a l'air bien en vrai. Je vais mettre de la vie encore, non?
Hello there. Welcome to Krat, visitor. Ah, on est à Krat. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell. L'organisation s'est effondrée. Il n'y a plus que des novices qui croient qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes. Devrais acheter quelque chose. Oui, ça t'arrange. Au festival, on ne peut pas compter que sur soi. Oui, je veux acheter. Peut-être vous ferez pas de mal. Voici un cadeau. Oh. C'est quoi le special guest? What is the gift? Accumulateur à lancer. Une batterie à haut rendement pouvant être lancée inflige des dégâts de décharge électrique. C'est une bebon quoi. Petite bebon. Imprègne temporairement une arme avec une décharge électrique. Ça sert à bien ça. Je pense acheter ça. J'ai plus de thunes, j'ai Apex. Ah, et je peux acheter une nouvelle arme. Rapière. Je peux comparer? Pas du tout. Mais attends, comment je sais si l'arme elle est bien par rapport à mon armement? Parce que je peux pas comparer. Alors ce jeu il dit quoi? Oh, on a pour le moment on a fait que ce qu'on avait déjà fait dans la démo, donc j'ai pas de nouvelles nouveautés à vous donner. C'est un Souls quoi, qui est vraiment dans la lignée des Souls. On verra, j'ai l'impression qu'il est un chouïa moins punitif parce qu'il me semblait dans la démo qu'on pouvait, même si on mourait pendant le boss, on pouvait récupérer ses, comment on appelle ça, l'XP là, qui était tombée, on pouvait la récupérer il me semble en dehors de la salle du boss. On va voir si c'est toujours le cas. Après j'ai l'impression que c'est un Souls qui donne plutôt le... qui met plutôt l'accent sur le sur la parade plus que sur l'esquive. Voilà. Des features de chemise. Écoutez, il pleut, sa chemise se lève. Je n'avais jamais utilisé d'eau ou quoi. La pluie au vanish, un peu ouais. Bon, j'achète quoi? J'achète ça, mais ça c'est cher ça. Ah, faudrait que j'en achète plusieurs ou pas? Je vais essayer. Acheter, voilà. Achète un. Bah sûrement j'en achète plusieurs en effet. Du coup là maintenant je fais ça. Je fais ça. Ça. Je sais plus du tout les touches. Verrouillage. Sac supplémentaire, c'est A. Ah putain, c'est là! C'est quoi ce petit tourbillon de lumière? Je crois que j'ai utilisé mon truc. Bon, on y va, on verra. Jolie musique. Il est trop classe. Docteur Robot Tonic. Merde, je voulais pas. Je suis sûr que j'avais déjà dit, mais la musique fait tellement penser à celle de Princesse Mononoke. Ça, je vais plus fort. Thank you.
Non, 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 fallait pas. Je pensais que j'avais enfin le temps de les taper. LB plus Y et je peux faire un truc. 3. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, LB plus Y. C'est ça. Je sais pas quoi ça sert. Mais j'ai un ulti, je crois. J'essaie de remonter ma popo. Au moment que je n'ai pas vu Princess Mononoke, je ne saurais te dire. C'est le moment en fait où il raconte vers le début, où il raconte une bataille et on entend cette musique un peu en fond. Bon. Ah voilà. L'ergot de mort apparaît à l'entrée de la zone de boss. Ils sont pipous, ils nous donnent notre ergot à l'entrée de la zone. Et je crois que j'ai un ulti, mais je sais pas comment l'utiliser. J'avais acheté un truc, mais ça sert à foil. On verra. Je continue comme ça. L'échauffement pour se souvenir du combat. Ouais, il y a un peu ça, ouais, mais je me rappelle plus du tout si j'esquivais ou si je parais. Ça me semble très très dur de parer. Merde, j'étais pas assez loin. Ok. Utilisez des airs de fable de l'âme. Lors d'une garde, utilisez des airs de fable de la poignée. Attends, je comprends pas. Les arts de fable changent selon chaque arme et poignée d'armes. Les arts de fable utilisent des emplacements de fable. Les différents arts de fable utilisent un nombre différent d'emplacements. Je dis trop de fois le mot fable. Chargez les emplacements de fable en attaquant des ennemis avec des armes. F. Du coup c'est Y en fait en gros. Bon bah je vais tenter Y quand je serai proche de lui. J'ai raté! J'essaie de prendre ma popo. Je me casse. Allez, prends-la! Que j'esquive. Arrêtez!
Oh merde. Timothée Chalamet. Non, non, non. J'étais dans l'animation, je pouvais plus bouger. Je suis un peu YOLO là. Pendant que je me bats, ça dégoûte. Bon, bon, bon. Non, mais on s'en sort en vrai. C'est juste que je pense qu'il faut que j'apprenne à parer. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Attendez, en parlant de chaud, ça me donne chaud. On croit en toi, bah non, j'ai même pas le temps d'écrire. Bah non, mais c'est un souls après. Hein. Moi, je one-shot pas les jeux de... Je one-shot pas les boss dans les jeux de manière générale, alors dans un souls, je vous avoue que... Voilà. Et puis voilà. Est-ce que j'ai de l'argot? Ah, j'en accumule pendant ce temps. Est-ce que j'achète une arme ou pas? Attendez, faut que je vois. Faut que je vois mon propre inventaire. On va regarder notre inventaire. Voilà, moi j'ai ça. J'ai rapidité et l'arme, on s'en fout. C'est une catégorisée. 79 d'attaque physique, charge d'accumulateur de putation 8,25. 330 charge de fable. Réduction des dégâts lors d'une guerre. Ah, vous portez un coup parfois un ennemi devant vous plusieurs fois. Ça c'est mon coup spécial. 79, je vois que la ok. C'est trop cher pour moi. Je pensais que je... Ah oui, ben non. Mais je vais regarder, au pire je peux vendre un truc. Ah là on est 100, moi j'ai 79. Un sabre. Ok. Ça. 79 plus 13. Entaillez un ennemi face à vous plusieurs fois. Vous entaillez un ennemi devant vous, utilisez un emplacement de fable supplémentaire. Bon, de toute façon, j'ai pas la thune, mais je regardais un peu. Tu pourrais pas un run no hit à poil? demain, à fond, de fou. Vous pouvez compter sur moi. Pas de soucis, avec confiance. J'ai pas d'objet à mettre dans mon inventaire, j'avais pas eu des trucs en cadeau et tout, je comprends rien. C'est quoi là ce que j'ai, le truc rouge? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Provoque la mort immédiate du personnage lors de son utilisation. Bah c'est super. D'accord, c'est si t'es coincé en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un objet littéral, j'ai du cyanure, pourquoi... Bim. Pourquoi est-ce que tu te trimbales avec une pilule de cyanure sur toi? C'est déjà compliqué le jeu. Si en plus mon perso est suicidaire, je vais avoir du mal. À moins que ce soit pour diminuer le crackhead. Peut-être une drogue un petit peu compliquée. Camille, tu penses qu'il explose? Il va pas écrire ça. Oh là là. Ça c'est quoi ça? Ça fait de faire ça, mais je trouve ça stylé. Je sais pas ce que ça fait. Allez, maître du défilé. J'ai raté. Dis ce qui va. Je vais essayer de parer. J'ai réussi là ou pas? Est-ce que j'ai perdu de la vie? C'est pas mal le parage. Ah, je perds de la vie quand même. Ah mais remonte.
Ouais, faut que je maîtrise la parade. Merde. Ah, à chaque fois que je rate. Non, c'est pas le moment de heal, je te déteste. J'ai osé. Ah, j'arrive pas à parer. Je vois rien. J'aime bien. J'adore votre entrejambe, mais s'il vous plaît, c'est un peu gênant. Merci. Ah, punaise, qu'est-ce qu'il faut faire? Peggy 18. J'ai réussi. Faut que je pars. Je me heal maintenant. Par où? Non mais arrêtez! Arrêtez! Écoutez, on s'en sort. Je progresse à chaque run. Quand la progression s'inverse, ça devient une dégression. Et non pas une digestion. Là que c'est fait titétragoumé. Et je fais si je puis. Facile. Ok. Je dirais ça. Voilà. Créature astrale. Non, 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 non. Faut que je pars, faut que je pars, faut que je pars. Là, j'ai pas paré là. J'ai pas osé, j'ai trop peur, j'aurais dû essayer. C'est le début de la run, j'aurais dû essayer. Oh, j'ai envie de recommencer. Il m'a coincé. Ah voilà. Évidemment. J'ai raté. J'ai réussi. Non mais fais-le. Ah putain, s'il voulait pas faire ce... Il voulait pas l'achever. Oh, j'ai mis trop cher, vous avez vu? Fait trop mal. C'est vénère de fou. C'est officiel, c'est leur stamina. Oh ça on le savait. Va en fait. Quand on réussit son coup de grâce, ça fait le game en fait. J'avais pas réussi tout à l'heure. Merci. Ça va, ça va, ça va. Attendez, je vais revenir en arrière. Merci beaucoup. Allez, je vais mettre ça ailleurs. Peut-être comme ça fait trop longtemps. J'arrive pas à sélectionner. Oh tant pis.
Ouais, je l'ai tétragoumé, t'as vu. Salut Ephraim, je sais plus si je t'ai dit bonjour. Ok. Ok, ok. Maintenant j'ai des sous. Ah, je peux pas. Je peux pas level up. Je peux pas level up. Oh, OMG. Je sais plus non plus. Here's a festival gift for you. Comment ça, un festival gift for me? Il me donne pas de gift, c'est pas vrai? C'est ça qu'il m'a donné? J'ai 2000. Et en fait, il y avait ça. Moi, c'est quoi que j'ai comme arme? Mais on peut pas comparer, c'est chiant! Trop relou de pas nous laisser comparer. Ça, franchement, c'est débile! Je suis obligée d'aller dans mon inventaire, de regarder, faire une capture d'écran, d'éditer. Voilà. C'était un pas choix, hein. Voilà. Ok, j'ai ma capture d'écran à côté. On va pouvoir regarder. Non, attends, attends, attends. Changer d'affichage. Du coup. Ah, mais c'est désaffiché. Affiche-toi, là. Ouvrir. Voilà. Alors, ma lame à moi, elle fait 79 d'attaque physique. Celle-là, elle fait 100. Charge d'accumulateur de pulsation, c'est 8,5, là c'est 10. Et le nombre de charges ou le temps de charge, je sais pas. Charge de fable 400, on a 330, donc c'est mieux en tout. Taux de réduction de dégâts lors d'une garde, 50%. Ah ouais, ça c'est bien ça. On va peut-être la prendre. Hein. Je veux pas une mapping game, une mapping game non plus. Non mais au moins la comparaison quoi, c'est quand même abusé de devoir le faire manuellement. Franchement, elle me plaît bien hein, cette arme. Hein. Et du coup, elle. Ouais, ouais, non, mais ça va bien. Sinon, il y a ça. Il y a ça. Moi, j'ai une lame de rapière. Ah, moi, c'est une lame de rapière qu'il me faudrait peut-être pour mon gameplay. Sur Shift, monsieur, la manette. Merde. Donc ce serait plutôt ça, avec ça là qu'il faudrait que je compare. C'est exactement la même en fait. Ah mais d'accord, je peux changer. En fait d'accord, d'accord. Ça c'est pour l'autre style de combat je pense. Je sais pas ce qui est mieux alors. En fait c'est les mêmes armes qu'on a selon ce qu'on choisit comme type de combat. Donc je vais peut-être pas dépenser mes thunes tout de suite je pense. D'accord, merci pour votre réponse. Bon, je me barre. Vous savez quoi? Je sais pas, je me barre. Ça m'a saoulé. Tiens. J'ai même pas réussi à viser le panal. Alors, est-ce qu'il y a des coffres dans le game? J'ai pas l'impression. Hein. On peut pas sauter, ça frustre, j'ai envie de sauter là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de le faire. Et je peux pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est vivant? Ah, punaise, c'est vivant! Oui, bah, hein. Épuisé, oui, t'as intérêt à être épuisé, ouais. Sinon, c'est moi qui t'épuise. Plus grand luxe que vous ayez vu! Mais attends, j'ai pas le temps de lire! Que vous ayez connu, faites-vous plaisir avec une journée. Vraiment inoubliable, putain. Laissez-moi le temps de lire, wesh. Qu'est-ce que c'est ça? Sérieux? Non mais ça s'affichait une seconde. Le panal, c'est pas banal. One more thing I should mention. The hotel security. Sécurité refuse les marionnettes. Oh bah je les comprends. Vous devez mentir pour entrer. C'est une marionnette spéciale. Moi je mens pas moi. Sauf si ça me donne des subs. Sinon je mens pas. Trop honnête. Jusqu'à un certain seuil.
Ok. Fragment d'ergot faible. Bon, j'avance. On a combien de temps de VOD? Une heure déjà. Pas va, n'empêche. J'ai eu le premier boss et tout, je suis contente. Franchement, je suis contente. Alors, ok, on avait testé dans la démo, mais ça fait des mois. Alors, je suis contente. La suite, pi au carré, pi au cube. Non, mais c'est toi le pi au cube. Au sanctuaire du Grand Contrat. C'est votre identité. Qui êtes-vous? Je suis une marionnette. Les marionnettes sont une source intarissable de problèmes. L'hôtel interdit les marionnettes externes. Quittez les lieux. Bonjour, commence. Hé hey. Toujours dit marionnette. Oh, c'est pas drôle! Non, mais on me donne le choix, c'est que je peux choisir. Attendez, en vrai, on me donne le choix. Je ne puis point croire qu'on me donne le choix pour rien. Non. La pierre de lune. Oh, ça transforme la viande de chèvre en eau. Moi, je suis sûre qu'il y a un truc à faire. On me donne le choix. Il y a peut-être une autre entrée. Ou alors, si je dis que je suis pas une marionnette, on m'attaque. Un robot interdit. Mais marionnette plus. Ce que je suis. En tant que streameuse, évidemment. Je veux pas croire que ce choix ne serve à rien. Je sais pas. Non, mais je vais voir. Hein. Mais on peut pas sauter, donc ce qui fait que je peux pas aller voir dans plein de recoins s'il y a des trucs et tout, parce que bah, j'ai déjà sans cette fonctionnalité de saut assez innovante pourtant dans le gaming. Je suis assez limitée. C'est-à-dire que dès que j'ai un tout petit muret, bon bah c'est foutu. Ça m'intrigue. Je sais pas. J'allume Dimmy. Ou je l'éteins, je sais pas. Non, là, j'allume. Bon, bah, je vais dire humain alors. C'était ça, mais oui, c'est vrai, je dois mentir parce que je suis Pinocchio. Même si en fait, basiquement, Pinocchio, c'est juste le personnage qui doit le moins mentir. Dans la porte. Allez, je te supplie. Ça demande un effort. Attention cinématique. Il est balèze. Cinématique, on en avait pas eu dans la démo, je crois. T'as le choix. T'as le choix de pas avoir le choix. T'as le choix de répondre le seul truc qui est possible. Et l'autre choix, c'est en fait, c'est juste tu joues pas. C'est fini le jeu. MDR, trop marrant la blague. Pardon. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, c'est le premier mensonge, ouais. C'est peut-être ça, effectivement. Bisous. Bon, petite cinématique de près de générique d'intro. Ah. Mais qui est peut-être intéressante au niveau de l'exposition du lore, mais qui aurait peut-être pu être un peu plus passionnante au niveau de la mise en scène. Ça va, Catholise? Voilà.
Je sais pas, je trouve ça bizarre comme il se regarde. Oh! C'est qui? C'est Gepetto qui a pété un câble? Gepetax? Là, c'est les marionnettes qui ont toutes pété un câble. Bon, j'avoue que c'est un peu sympa quand ils rajoutent la lumière rouge et tout. Ça, c'est le boss qu'on a combattu. J'ai pété un câble. Chat, j'ai pété un câble. Bah, ça, c'est la gare où on est arrivé. Et ça, c'est notre personnage. Les marionnettes ont pris un bain de sang. Bah, c'est plus les humains. Mais oui, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire, oui. Hôtel Craft. Donc, c'est celle qui nous a guidés. I'm so happy to see you. I'm Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Croft to find you. M'appelle Sophia. Je vous attendais. You must have questions. J'ai des questions. Gepetto saurait répondre. But we have to find Mais il faut le trouver. First. Effectivement, Gepetto qui répond à toutes les questions sans problème. T'es venu la dernière fois sur le boulevard de l'Inquisition. Crate est dangereuse pour les humains de ce quartier. Trouvez Gepetto dans le boulevard de l'Inquisition. Ensuite, je vous en dirai plus. Ok. Montez le niveau en passant par Sophia. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. On prit la voix et le phrasé de Malenia tout à fait. I'm Sophia. Sister of Malenia. Oui, oui, je suis assez d'accord que ça rappelle quand même grandement quelque chose qu'on a déjà un petit peu vu l'année dernière. C'est un hommage. Je continue à prendre de la vie. Ma vie. On a mis un peu de vigueur. Vie et vigueur. Look at Gemini. I think he's in shock. Il a l'air secoué. Gemini is fine. Ouais, il a surtout l'air très bizarre. Proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps je peux le réparer. In time. Oui, j'essaierai de pas crier. Wait. Take this pocket watch. Prenez la Pokéball, la Pokéwatch. Quoi? La Pokéwatch? Pardon, tu me verrais. Be careful, clever one. Montre à goût ça. Ok. Un pouvoir permet. Non mais, les tutos ont affiché 1 seconde 5 là, j'ai pépé, hein. C'est quoi que j'ai eu? Ah tant pis, un moment je trouverai bien ce que c'est. C'est qui ça? Ouais, non mais on est dans le lobby, je comprends. I heard about you from Gepetto, but to see you in person, you should take this. Gepetto left. C'est quoi, hein? Ah, c'est un truc qui va modifier mon bras. Je m'étais arrêtée là à la démo. Bras de Légion est un équipement spécial sur le bras gauche. Chaque bras de Légion possède sa propre capacité de combat. Peut être modifié en différentes formes. Les modifications peuvent être effectuées à l'aide de la machine d'artisanat de Venini. Ok. Non, rallume Jimmy. The sound must be something else. Oh. J'ai oublié de me présenter, Eugénie. Je suis experte dans les armes en toutes sortes. Si vous voulez arranger votre arme, venez me voir. Oui, je veux bien.
vous avez une pierre de lune. Eugénie peut vous aider à améliorer la lame d'une arme. La puissance d'attaque d'une arme augmente quand vous améliorez la lame. L'amélioration de certaines lames nécessite une pierre de lune particulière. Pierre de forge, je connais. Mais je vais peut-être pas l'améliorer si... Il me faut 200 ergots pour l'améliorer. Et une pierre de lune. Bah... Oh, je peux essayer. Je peux essayer pour le moment. J'hésite. Altérer la poignée, ça fait quoi ça? Apporter des manivelles à Eugénie pour altérer les poignées d'armes. Propriété de chaque poignée s'améliore en fonction des capacités par défaut de votre personnage. Vous pouvez modifier. Oh, le son, trop fort, trop fort. Voilà. Vous pouvez modifier cette propriété, cette échelon 1, échelon une fois. Avec une altération de... Eh, je comprends, franchement c'est mal expliqué de fou. Genre en fait voilà, on peut changer les propriétés d'une poignée. Qu'est-ce qu'une propriété de poignée? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Genre, pourquoi je ferais ça? Ça m'énerve. Oui, t'es les Souls, on n'explique pas parce que ça fait trop le mystère des Souls. C'est Souls-like, je crois que c'est pas du tout From Software. C'est pas du tout From Software, vous avez compris, ça m'énerve. Bah du coup, je peux avoir de la mobilité, de la technique... Eh, bah je sais pas, hein, ça m'énerve, hein. Parlez, tu veux me parler. Des questions? Au propos du Stargazé. Augmenter le pouvoir de l'ergot, le rôde installer des Stargazers un peu partout... Au propos de l'entraînement, si vous souhaitez tester vos compétences ou essayer de nouvelles techniques, allez au jardin. On peut agir ce qui s'allonge quand on ment. Mais arrêtez, il n'y a pas d'histoire de s'allonger quand on... Eh, fatigant. Fatigant, vous êtes. Fatigant, vous êtes. Non, c'est qu'on peut pas mentir normalement. C'est ça, le DEL. Bon, je l'améliore et puis on verra. Vas-y, je suis une dingue. Je verrai à quoi ça sert. Oui, ça améliore les caractéristiques, c'est tout, quoi. Ok. Bonne nuit, Gabe. Majordome, que puis-je faire pour vous? Ah. Roi d'ancien, rouage assez répandu, peut-être jeté pour détourner l'attention d'un ennemi. Ok. Catalyseur fabriqué pour... afin de compléter les capacités du marionnette. Recharge rapidement votre fable, c'est mon ulti, c'est ça? Chargeur de légion. Embourrage en polymère. Implanter un moment pour rapidement recharger votre légion. Bon, d'accord, je recharge ma légion, je sais pas ce que c'est. Ah, ils ont vraiment refait le délire de plein de trucs, il va se passer plein de trucs, ils vont tous mourir à la fin, je vais foutre le feu au lobby. Réservation n'est pas obligatoire, je suis Antonia, voici mon hôtel. J'ai tout de suite vu que vous étiez une marionnette de Gepetto. Il est parti au boulevard de l'Elysion. S'il ne revient pas vite, il faudra préparer un autre cercueil. J'avais oublié que je gardais ça pour lui. Une longue histoire, mais tant mieux que vous l'ayez trouvé. Trouvez ce vieil homme, faites attention à vous. Ah! J'ai une tenue? Uniforme d'un internat honorable et raffiné. Vêtements déjà portés. Ouais, j'aime bien, je prends. Objet utilisable. Oh, on est trop mumu.
qui m'allonge des fois, mais j'ai rien qui grandit. Eh, vous arrêtez un peu. Fil de marionnette, LT. Ah, je peux ramener les mobs sur moi, peut-être. Oui, c'est ça. De la chance pour tous les visiteurs, du repos pour tous les voyageurs, des bénédictions pour tous les compagnons. Et un max de subs pour la streameuse, évidemment. Tu t'ennuierais sans nous. C'est pas faux. Mais c'est mieux pas adorable. Ouais. Bon, y'a rien, hein. Moi je fais le tour, mais je sors rien. Nickel. Ah, c'est dégueu, c'est un bébé. Berk, ils me mettent mal à l'aise parce que les chandeliers ont l'air tout petits à côté d'eux. Ah, Berk, des bébés, c'est des gouttes. Adorable. Adorable. Allez, j'ouvre la porte. Cinématique peut-être. Chargement surtout. Oh, il y a un homme loup avec un... Oh non. L'invention des marionnettes automatisées utilisant de l'ergot. J'en ai marre qu'on me coupe la parole tout le temps. Ah mais c'est fini. Genre j'avais rien d'autre à avoir. Attends. Oh, j'avais pas fini en vrai. Non, là ça on brûle les étapes trop vite là. Mais je sais pas ce que je dois faire. Il faut que j'aille chercher le GPTax là, mais je sais pas où je dois sortir pour aller chercher. Bon, moi je suis arrivée là, donc faut que j'aille là-bas. Peut-être là-bas. On va trouver une non, j'y suis allée. Là, on a vu la vieille. Voir les disques possédés. Zéro, évidemment. Et c'est un peu la police de caractère des Resident Evil, je trouve. Un peu. Ah, c'est peut-être par là-bas qu'il faut que j'aille. Oui, c'est plus ça. Vous pouvez acheter des objets auprès de Polandina à l'hôtel. Oui, bon, il y avait R et j'ai pas de sous. Ça va, hein. Ah oui, bah dans les Souls, effectivement, quand ça s'inscrit autant dans la lignée des Souls, effectivement, tu vas pas avoir des tonnes de dialogues, hein, qui t'expliquent des trucs complètement anecdotiques. Là, t'as tous les trucs importants qui ne sont pas expliqués. Ah, il est stylé comme ça. Regardez ce petit cheveu, là. Hop là. Ok. Entrée du boulevard de Lésion. Ah bah voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est un matin nuageux. J'arrive tout de suite, je vais aller aux toilettes et je vais arrêter la VOD. Et je reprends une après. Bisous VOD, c'est la découverte de Lies of Pi.